guayaba. Nous découvrions les différentes transformations à base de guayaba. Ça donne envie à une tête. Les photographes Betty Grégory et Céline Gisèle ont tenu à exposer différents clichés de la Guadeloupe et particulièrement de la ville de Guaya. Donc, vous pouvez les trouver dans cette deux tables. Les couchers de soleil et le blé et chute des fleurs tropicaux. Différents paysages de la Guadeloupe. Donc je tenais à présenter les œuvres qui ne sont pas à la vente. Donc j'aime bien dessiner des paysages de Guayaba. Ici vous allez trouver un paysage que j'ai imaginé. Je vais peut-être dresser une corde parce que vous voyez la soufrière. Ici, nous sommes à l'embouchure de l'aiguille à Guaya. Nous avons le pont Tilt-Eiffel de Guaya, qui est un monument historique. Oh ouais. Le pont de Saint-Denis, bonsoir, mademoiselle Céline.
Gilbertine Tichelli Gisèle, présidente de l'association Espérance sans frontières. Gisèle. Exploration sans frontières. Donc l'objectif c'est de faire découvrir de la Guadeloupe au niveau touristique, économique et social, tout en valorisant les communes. Et comme nous sommes des jeunes de Guayab, donc je n'ai pas vraiment été seule à réfléchir. On a une idée ensemble, donc il y a Betty Grégory, Dakalor, Marie-Ange, Annette Freddy, Africa Girl. Donc on a été tout un groupe de jeunes à réfléchir sur cette manifestation. Donc comme nous sommes dans le cadre de la fête patronale, la fête de Guayab, donc nous avons organisé en partenariat avec la ville de Guayab, la fête de la Guayab. Donc nous avons demandé aux artisans de mettre la ville de Guayab de valoriser la ville de Guayab, que ce soit sous tout support. Donc il y avait avec nous M. Calvados Claude, artiste peintre, M. Berger Després, qui est un plasticien peintre. Oui, petit mot. Oui, petit mot. Il y a eu plusieurs lots à gagner, donc les tirages ont été faits toutes les 2 heures et sinon ça a été dans l'ensemble. La municipalité, la population qui nous ont soutenus financièrement et les artisans des commerçants. D'accord. Rendez-vous demain à 10h. D'accord, merci beaucoup. Là, elle va pas. Elle est en train de passer, mais nous ah ben, nous là, pour la bonne, pas de pas garder forme là. Ah ben, il y a bien répondu et puis on a fait un bon travail. Moi aussi c'est un Guayab et c'est pour ça qu'on va accompagner les promotions parce qu'il faut connaître. Et à Guayab, nous met des voix. On ne va pas miser pour nous, c'est un peu à Guayab. Ah, ils vont, il y a un sens à la commune, il y a un sens à la municipalité, il y a un sens à la population aussi. Et c'est très très important parce que souvent on va attirer des gens pour transmettre un savoir.